Madame. Quoi ? Ce pistolet. De quoi avez-vous besoin ? J'ai mis de la nourriture sur la table. Je ne veux pas manger. Pars d'ici. Pourquoi es-tu venu? Tante? J'ai fait une grosse erreur. Je ne voulais pas faire tout ça. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Vous l'avez réalisé si tôt? Bien. Je n'ai pas besoin de ton pardon maintenant. Tante, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je suis tout seul. Tu te rends compte de ce que c'est d'être seul? Oui, j'ai fait une erreur. Mais quelle était la faute de Osna? Dites-moi. Juste parce qu'elle t'aimait. Elle t'a soutenu partout. Et qu'est-ce que tu lui as donné? Tromperie. Tu détestais la tromperie. Tante, je n'ai trompé personne. Je n'ai trompé personne. La vie m'a trompé. Tout le monde dans ce monde trompe tout le monde. Mais certaines personnes trompent simplement les autres. Et quelques. Ils se trompent. Ne me laisse pas me séparer de toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Le pardon. Je t'ai aussi demandé pardon. Est-ce que tu m'as pardonné? Tu m'aimais beaucoup. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu ne m'as jamais rien refusé, dis-lui. Maman. Tu as raison, Ali. Je t'aime plus que mon propre enfant. Je te pardonnerai, mais... Je ne peux pas pardonner les larmes qui sont venues aux yeux d'Osna. À cause de toi. Tu étais mien. Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Seule Osna m'a soutenu. Tout comme un fils. Elle a fait face à toutes les adversités qui se sont présentées à moi. Je ne te pardonnerai pas avant. Tu rends à Osna le bonheur que tu as emporté. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Je me sentais bien avec ça.
Pour la première fois, tu parles. Pour le droit de Hosna. Mais, maintenant, il n'y a plus de place pour cette discussion. Maman, Ali a vraiment honte. Il a réalisé son erreur. Il est venu nous emmener d'ici. Il est venu convaincre Hosna. Et je suis heureux qu'il ait réalisé son erreur. J'ai fait des compromis avec ma vie. Ça ne m'importe pas qu'il soit revenu. Mais maman, vous comprenez mal Ali. Oui, peut-être. Je suis tellement habituée à sa haine. Que je doute de son amour. Ali, pars d'ici, je ne veux pas te parler. Et si je n'y vais pas? Ok alors. Je vais aller. Hosna. Je sais. Je sais que mon erreur n'est pas digne de ton pardon. Je sais aussi combien tu m'aimes. Ne peux-tu pas? Pardonne-moi. Qu'entends-tu par pardon? Tu es heureux dans ta vie. Tu as Tamanna et ton enfant dans ta vie. Alors pourquoi as-tu besoin de moi? Tout cela n'est qu'un mensonge. Tamanna t'a menti. À moi, à nous tous. Elle m'a trompé. Moi et Tamanna, nous n'avions pas une telle relation. Je ne sais pas pourquoi a-t-elle fait ça. Parce qu'elle t'aimait. L'amour est une question de vérité. Il n'y a aucun espace de mensonge dedans. Vous avez raté votre. Alors ça tue elle esprit d'amour. Je n'ai aucun rapport avec elle. Comme c'est facile pour toi. Quitter quelqu'un. Et je m'excuse plus tard. Je sais que tu es en colère. Je sais que c'était mon erreur. Je mérite une punition. Mais... après ton départ, j'ai réalisé que j'étais incomplet, sans toi. J'avais l'habitude de penser que tu as besoin de moi aussi, comme moi. Et je t'ignore, juste comme toi. Ce qu'il faut faire? Mon cœur n'est pas d'accord. Je connais Hosna. Je t'ai blessé. Beaucoup. Ne me rejette pas. S'il te plaît, ne me rejette pas. Je ne pourrai pas sans toi. Je mourrai sans toi. Ou, je mourrai aussi sans toi. Mais que dois-je faire? Viens avec moi. Viens me voir chez toi. Ta maison. Il t'attend toujours. Exactement comme moi. Viens. Ah.
Maman, réfléchis encore une fois. Je sais ce que j'ai décidé. Toi. Je veux te parler. Que pouvais-je faire? Si toi et Annie n'étiez pas là. Vous avez tous fait tellement pour moi. Qu'est-ce que tu dis, Osna? Tu nous as favorisés. Je prie Dieu pour que Dieu vous rende toujours heureux. Où? Emmène-la avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu viens avec nous. Je ne vais nulle part. Tu ne m'as pas encore pardonné. Ce n'est pas une question de pardon, c'est une question de respect de soi. De toute façon, Annie et moi avons créé notre propre petit monde. Et nous sommes tous les deux très heureux ici. Fais-moi confiance, je n'ai aucune plainte de ta part. Tante, s'il te plaît, d'accord avec Ali. Cette maison est déserte sans toi. Tu es notre aîné. Si tu restes avec nous, cette maison et notre bonheur, tout sera complet. Je connais Osna. Tu n'as jamais voulu nous faire de mal. C'était moi, dont les yeux étaient couverts d'avidité. Tu connais Osna. Temps, richesse et relations. Nous obtenons ces actifs gratuitement. Nous apprenons à connaître leur valeur lorsque... quand on les perd. Pourquoi dis-tu cela? J'avais aussi tort avec toi. Pourquoi tu te punis comme ça? Il ne s'agit pas de punir. Tu m'as pardonné. Cela me suffit. Essaie juste de faire une chose. Ne brise pas la confiance que Osna a en toi. Parce que quand la foi est brisée, alors ça brise l'humain aussi. Mais tante... Ali, je te l'ai dit. Prends-la. Emmène-la avec toi. Et garde-la heureuse avec toi. Il ne devrait pas y avoir de plainte. Viendrez-vous nous voir? Oui.
Osna a laissé son téléphone ici. Bonjour. Bonjour les maisons. Osna n'est pas là. J'ai besoin de lui parler. Où est-elle? Elle est partie. Mais où? Avec Ali. Chez elle. Non. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas possible? Tu penses pouvoir créer un malentendu entre eux et séparer. Souviens-toi de Tamana. Dieu les a unis. Aucun être humain ne peut les séparer, compris? Je n'ai pas besoin de ta conférence. Compris? Je sais. Tu m'as séparé d'Ali avant. Et maintenant encore tu essaies de le faire. Si tu penses comme ça, alors continue à penser que... Souviens-toi. Ce que j'ai fait alors, c'était par inimitié envers toi. Aujourd'hui, Osna est ma fille. Je l'aime beaucoup. Souviens-toi de Tamana. L'amour de ma mère est très puissant. Pas seulement moi, mais Ali aussi. Nous sommes avec Osna. Qui es-tu pour me dire tout ça? Ali ne pourra jamais me sortir de sa maison et de son cœur. Vous m'entendez? Pourquoi tu ne comprends pas? Il n'y a pas de place pour toi dans le cœur d'Ali. Laissez-le. Avant qu'il ne te force à sortir de chez lui. Pendant combien de temps vas-tu te mentir, Tamana? Si Ali n'aimait pas Osna, il ne serait pas venu ici pour l'emmener. Il sait que Osna est sa vie. Il n'a jamais été à toi. Il ne sera jamais à toi. Écoute-moi et quitte sa maison. Parce que tu ne pourras pas les voir ensemble. Et si je ne laisse pas Usna vivre? Alors Ali sera à moi. Est-ce que tu obtiendras Ali en faisant ça? Il ne pourra plus vivre après ça. Maintenant, tu n'as plus de place dans la vie d'Ali. Il te déteste. Est-ce que tu comprends la haine?
Mohamed Ali, c'est ma maison. J'ai fait un master. Je ne suis pas encore marié. Comment quelqu'un peut-il être si beau? Ali, je suis toujours le même. C'est la merveille de tes yeux. Veux-tu m'épouser? Oui. Je t'aime. Je t'aime aussi. Demain, tu seras avec moi à 7 heures. Tamana, tu seras si belle en robe de mariée. Tamana, tu brilles à cause de mon amour. Tu n'as pas besoin de maquillage. Pardonne-moi si j'ai fait une erreur. Mais ne romps pas notre relation comme ça. Je ne pourrai pas vivre sans toi. Comment vous êtes-vous mariés? J'ai épousé Husna. Où? Tu es devenu complètement fou. Tu l'as perdu. Je sais. Je serai toujours fou de toi. Tu es tout ce que je veux dans ma vie. Et je te veux. À tout prix. Thank you.
Tu connais Mina. Que ce n'est pas vrai. Quoi qu'il soit arrivé, Usna ne l'a pas fait intentionnellement. C'était son destin. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Que tu peux quitter une personne quand tu veux. Et quand tu veux, tu commences à insister. Pour les récupérer. Mina, il a disparu de ta vie. Dès que vous l'acceptez, c'est bon pour vous. Parce qu'Ali est content de Usna. Maintenant Ali n'est plus à toi. Mola, mola, mere, ha, mere, tu hi sahara. Mola, mola, mere, ha, mere, tu hi kinara. Mola, mola, mere, ha, mere, tu hi sahara. Mola, mola, mere. Je ne pourrais jamais me pardonner si quelque chose t'arrivait. Ne pense jamais à de telles choses aussi longtemps, comme tu vis ici, sinon... Sinon quoi? Sinon je te prendrai la vie. Et tu sais que je suis la seule à pouvoir donner ma vie pour toi. Une personne se vend au prix le plus bas. Au nom de l'amour. L'amour est ce qu'il y a de plus cher. Ça lui coûte tellement cher.